Alors, bonsoir, bonne nuit. On se retrouve du coup pour une partie niveau Dan avec un adversaire qui est troisième Dan. Il s'agit d'un japonais et apparemment il ne sort jamais. En tout cas, il a l'air d'être au-dessus des 90% de victoire. Donc, on va voir un peu ce que ça va donner. Pour l'instant, il n'y a pas à se sentir choqué de quoi que ce soit, puisqu'il nous laisse pas le choix du je sais qui à adopter. Donc, soit. Très bien. Alors, Noir pouvait également jouer C14 pour détruire complètement les capacités de jeu de blanc sur le bord ouest. C'est si noir fait C14, blanc recule et vient prendre son extension. À ce moment-là, disons que blanc est un peu contraint dans son jeu. Et alors, on va essayer de se replonger dans les directions. Alors, O3, ce n'est pas intéressant puisqu'il y a pierre en F3 qui est en troisième ligne. Donc ça va pas nous aider pour construire quoi que ce soit. Le coup en R6, c'est pas inenvisageable dans la mesure où si noir répond en O3, on peut se concentrer la zone sur une direction qui n'est pas intéressante, c'est-à-dire au sud. O17, c'est un peu lent, mais pourquoi pas? Pourquoi je dis que c'est un peu lent? Tout simplement parce que si noir recule, qu'on a protégé notre forme. Ben, noir est plus rapide dans son développement que blanc. Et R17, ça ne m'intéresse pas puisque si c'est pour l'obliger à s'installer sur un bord intéressant, je n'y gagne pas grand-chose. Donc ici, je vais plutôt envisager R17 pour simplement prendre, on va dire, ce gain sans trop construire le noir. Là, cette fois-ci, à la différence de O17, par exemple, j'ai un gain territorial, noir n'est pas encore construit. Donc c'est pas quelque chose de mauvais. Et oui, comme vous voyez, c'est une partie lente. Mince. Ben, il n'y aura peut-être pas de commentaires par conséquent si la partie est lente. Parce que ce genre de partie, ça veut dire que dans ce cas-là, elle dure assez longtemps en fait. Hein, à peu près, peuvent durer jusqu'à. En moyenne, elles ont tendance à durer à peu près 1h05. Oui. C'est vrai que j'aurais dû faire attention à mes settings, parce que généralement ce genre de partie, j'évite de les faire en vidéo. Bien, alors ici P17 ça va pas nous intéresser. Pourquoi cela? Tout simplement parce que Noir n'a pas encore construit sur le bord à l'est. Donc ça ne sert à rien de jouer cet échange, vous voyez, blanc, noir, blanc. Dans la mesure où de toute façon, ici cette zone n'est pas encore en préparation. Donc on va juste donner un peu plus de force au noir. Et surtout qu'en plus, si noir avance, il va se sentir obligé d'avancer pour que le tournant ne soit pas senté. Et qu'à ce moment-là, noir est content de jouer un coup comme R7 ou R6. Peut-être même qu'il envisagera de prendre le coin. Donc, pour toutes ces raisons, ça ne sert pas à grand-chose. Et joue enfin ici. Alors, il y a deux choix. Soit on estime que F17 est le bon coup, c'est-à-dire qu'au tout début on parlait que si noir faisait C14 plutôt que D10, on aurait joué F17. Et si on joue ce coup-là, dans ce cas-là, si on déclare que c'est le bon coup, on redonne l'initiative au noir. C'est-à-dire que tout à l'heure, si on avait joué la même séquence, la grande question est est-ce qu'on aurait joué R17 ou non? Si on aurait joué R17, dans ce cas-là, c'est pas du tout mauvais d'envisager le coup en F17. Si en revanche on aurait envisagé un autre coup que le coup en F17, auquel cas, enfin que le coup en R17, excusez-moi, auquel cas ça va devenir une légère erreur F17 par Tewari du coup. Donc je sais pas, il faut que je réfléchisse à savoir si j'aurais joué cela. Tac, ici. Peut-être que j'aurais rejoué le même coup.
Donc, si j'aurais rejoué le même coup, dans ce cas-là, F17, c'est peut-être pas le meilleur coup, mais c'est pas une erreur. Puisque dans ce cas-là, on reste sur le flow de jeu de blanc. La question est de savoir maintenant, est-ce que c'est le meilleur coup au présent maintenant? C'est-à-dire, est-ce que c'est si grave que ça que noir puisse obtenir ce coup-là en F17? Ben, c'est pas évident, parce qu'en fait, on n'oublie pas qu'ici, il y a une faiblesse maintenant. Et il faut regarder en fait si on a les deux chichots déjà. C'est-à-dire que si venu ici, année, ici, cross cut, on sort la pierre, admettons il protège ici, et on a ce chichot qui se présente, comme vous voyez, qui a la faveur de blanc. Donc si on imagine l'autre chichot cette fois-ci qui le protège là, est-ce que ce chichot est bon pour le blanc? Également. Il n'a pas de centé. Donc ici, je me demande si on ne peut pas jouer tout de suite D11. On pourrait envisager de jouer C12 également, mais le problème c'est que si noir vient ici et qu'on fait le wari-komi, ben peut-être que noir du coup ne jouera pas l'atari ici et viendra simplement réduire de cette façon, vous voyez. Et à ce moment-là, on va devoir vivre sur cette zone. Sauf que noir ne voulait pas forcément faire des points ici, il voulait empêcher que blanc en fasse. Et le fait qu'on survive sur le bord, ben ça reste dans le plan de jeu de noir. Et c'est pour ça que je réfléchis plutôt à D11 pour obliger en fait cette séquence, c'est-à-dire que si on vient ici, 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 ben noir a déjà en fait fait le hané, donc il est obligé de couper, vous voyez. Donc c'est une manière de forcer la séquence qui m'intéresse. Donc peut-être que F17 me donne pas envie. Après, récupérer la force extérieure, est-ce que c'est intéressant dès maintenant aussi? Ça dépend. Un instant, je réfléchis. On peut se retrouver assez rapidement avec le centé, donc c'est pas inutile de vouloir jouer D11 tout de suite. Puisque si on récupère le centé très vite, ben fatalement on va être assez content du coup. Maintenant, je réfléchis également au tenuki en R6. R6 serait pas mal. Je réfléchis également à jouer un coup comme R3. Tout simplement parce que si on imagine R3, qu'on fait le même je sais qui, noir qui joue Q10, c'est extrêmement lent. Donc j'hésite. Et hésiter au jeu de cause, c'est vraiment pas bien. Parce que il vaut mieux avoir une réelle réponse. Donc dans ce cas-là, il vient ici. Si on prend Sanson en F17, et je bloque où? Je bloque en F16. Installation. Est-ce qu'il peut jouer ça? Il peut jouer ça ou pas? Il peut parce qu'il a le chichot. C'est-à-dire, si venu ici, tsuke, tac. Et lorsqu'on vient là, il peut jouer ici. Donc je suis obligé de répondre là, connexion. Venu ici. Et il peut jouer ici. Pour menacer la coupe. Dans la mesure où cette. Ce groupe-là s'attaquera pas facilement parce qu'il a un hobby de 3 pierres. Ok. R3, ça a pas l'air très très bon. Et R6, s'il recule ici. Dans ce cas-là, je peux tout de suite partir du principe. Si R6, c'est que O3, je peux partir du principe directement que c'est un bon échange et tout de suite revenir en F17. Ok. Et si on imagine une pince. Je suis centé et je peux revenir ici en prétendant que c'est un bon échange. Et auquel cas, si lui protège encore un coup, je peux tout de suite revenir là. Mais comme on voit, en fait, à chaque fois, on a l'impression que le point clé, ça revient sur F17. Donc du coup, je vais le jouer. Parce que comme apparemment, ça a l'air d'être un point stratégique important pour noir, et quand blanc réfléchit, il songe au centé pour l'avoir également. Donc je crois que c'est un bon coup de jouer F17. Enfin, en tout cas, je pense que c'est le meilleur coup, je veux dire. C'est ça l'idée. C'est-à-dire qu'on avait vu que c'était pas une erreur. On avait ensuite vu que le coup était viable. La grande question, c'est, bah, est-ce que le coup est bon? Et Noir vient tout de suite jouer ça. Alors, si je réponds en P17, on a dit que, si je venais de cette façon, on a dit que Noir avançait, qu'on devait avancer, mais ici, Noir peut déjà nuki, on a dit. Parce que
que le double année, le premier année ici n'est pas si puissant que ça. Maintenant, il est un petit peu mieux que tout à l'heure malgré tout, parce qu'on peut double année et verrouiller cette zone. Donc c'est pas mauvais. Enfin, c'est pas mauvais. C'est moins mauvais que tout à l'heure. Maintenant, est-ce que je peux jouer N17? N17, si il vient ici, est-ce que j'ai le droit de rejouer le valet? Non. Donc du coup, F17 vient ici, soit j'avance. Et auquel cas, quand il avance, il est encore senté et je vais peut-être devoir faire le valet, donc c'est pas intéressant. Donc s'il vient ici, je dois connecter. Et du coup, ce coup-là devient un coup stratégique. C'est-à-dire que si on imagine ça, noir, blanc connecte, noir avance, ben on voit que si blanc avait ce coup-là, il développerait un bord intéressant, et si noir a ce coup-là, il va développer une force intéressante pour valoriser le bord est. Ok. Donc, et c'est probablement noir qui a le timing, et ça veut dire que dans ce cas-là, ce coup-là, peut-être moins puissant que tout à l'heure. On va peut-être avoir envie d'un coup de champ comme K10. Ok. Maintenant, est-ce qu'on peut jouer N18? N18, si venu ici. Si venu ici, on peut couper. Parce qu'on n'a pas beaucoup de choix. Et venu ici, du coup. Ah, quoi que. Ça dépend. S'il vient ici, on est obligé de couper. Mais s'il vient là, on peut bloquer là. Et lorsqu'il joue ce coup-là, maintenant, on capture. Donc il y a une séquence qui est plus plaisante apparemment pour blanc avec cette variation. Et s'il pousse, est-ce que je suis obligé de répondre? Oui, mais je sais juste pas si je réponds en S16 ou si je réponds en S17. Probablement en S16 c'est un peu mieux. Okay. J'ai l'impression qu'ici c'est N18 qui est mieux. Pourquoi je dis que c'est mieux? Tout simplement parce qu'en fait, il y a un peu plus de séquences, de variations, qui plaisent aux blancs que dans les autres coups. Donc, dans ce cas-là, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Et puis, faut pas oublier aussi également autre chose, c'est-à-dire qu'on ne veut pas renforcer le noir, comme on a dit. Donc, pour éviter qu'il valorise trop le bord est. Donc, c'est peut-être mieux de jouer comme ça, je crois. Et comme vous voyez, je prends de plus en plus de temps qu'avant à sortir mes coups. La raison est que. Eh bien, apparemment, il y en a qui travaillent également le dimanche. La raison, en fait, elle est assez simple, c'est-à-dire que. Comme. Je. Disons que j'ai pris un plaisir. Au mois de janvier, je voulais proposer une vidéo où je jouais, en fait, avec l'intelligence artificielle. Et j'ai fait une tentative, la partie était. Je la maîtrisais pas assez pour pouvoir expliquer pourquoi j'avais joué mes propres coups face à l'intelligence artificielle. Donc j'ai eu cette inquiétude. Puis comme je. À un moment donné, avec le temps, du coup, je trouvais que c'était un peu ennuyeux de jouer avec des humains. Eh bien, j'ai voulu tenter avec une intelligence artificielle, refaire l'expérience. Et j'ai beaucoup plus aimé les parties puisque j'ai appris pas mal de choses sur mes erreurs, mais aussi sur la façon de penser le jeu. Et du coup, ces parties-là, généralement, je les faisais en 1 heure, 1 heure et demie. Et c'était vraiment intéressant, je trouvais. Alors ici, on accepte, hein, il n'y a pas de raison de se sentir vexé. En revanche, ce qui va me déplaire, je suis en train de penser, c'est-à-dire que s'il prend une extension, j'ai plus la faiblesse en D11. Et ça, c'est ennuyant. Ça veut dire qu'il faudra que je sorte les deux pierres à un moment donné, ou que je gère un timing pour gérer tout cela. Oh! C'est pas mal. C'est-à-dire, si on répond ici. Venu là, on est obligé de venir ici, mais dans ce cas-là, il peut encore continuer de séparer en Q19. Donc ça fait que le groupe serait mort. Donc T18, c'est vraiment une erreur. Maintenant, on aimerait peut-être jouer là. Mais si venu ici, qu'on vient, vous voyez qu'il peut tout de suite bloquer. Donc en fait, on a l'impression qu'on est obligé, avec son plan de jeu, de jouer N17. Après, est-ce que l'échange est nécessairement bon pour Noir? Tout à l'heure, on disait que N17, c'était un peu mieux pour Noir parce que Noir avait le timing de jouer en M16. Mais maintenant, c'est blanc qui l'aura le timing. Et par conséquent, c'est pas si mauvais que ça. Vous voyez, si on vient là, il ne peut pas venir ici, atterrir sur la pierre, et on peut continuer à capturer. Et si c'est pour jouer un Kiama, on va se demander pourquoi il a fait autant d'échanges à la faveur de blanc. En tout cas, c'est bon pour blanc au niveau de son IOC. Et du coup,
Si on joue ici, qu'il vient là, on peut encore pousser une fois. Revenu. Je sais pas si on repoussera une deuxième fois pour autant. Mais du coup, ça veut dire qu'on garde cette faiblesse en tête. Et ça, ça me plaît assez. Et oui, du coup, j'avais joué avec ceci. Et par conséquent, j'ai vu que j'avais plein de défauts dans mon jeu. Que j'essaie de corriger. Il y en a trois principaux. Le premier, c'est que je ne pensais pas assez souvent au CNT dans mes combats. Or, je dois le systématiser. Et l'autre défaut qui est plus visible, en tout cas je le ressentais déjà dans mes défaites, c'est-à-dire que je ne pense pas assez à prendre le maximum que je peux pendant mes combats. Lorsque l'échange est satisfaisant, généralement j'en fais pas beaucoup plus. Or, il faudrait que je le fasse. Et je me serais trompé, c'est ce qu'il me dit. C'est possible. Je m'attendais pas à ce qu'il joue ça. Donc j'ai reforcé cette séquence. Avec tout ce qu'il a joué à l'extérieur, j'aurais plus de santé si je lâche le coin. C'est pas mal. Parce qu'en fait, s'il joue ici, qu'il vient là, je peux pas bloquer ici. Et du coup, je suis obligé de capturer, et quand il revient là, c'est un peu la douleur. C'est-à-dire, je venais ici, Atari, capture, ici, connexion, et soit il Tenuki, et dans ce cas-là, plus tard j'ai ce coup-là. Qui est pas mauvais, hein, parce que, comme on le voit, du coup, je recapture les pierres, c'est côté. Et si jamais il rajoute un coup, ben plus tard j'aurai ce coup-là, qui me donnera du santé, enfin du Yose santé. Mais je vais avoir une forme abominable, et du coup j'ai presque l'impression que je devrais rajouter une extension. Peut-être dans ce coup-là. Alors qu'est-ce que je devais jouer dans ce cas-là? Je devais quand même pas revenir, et casser la forme ça m'a pas l'air très bon. Et c'est pour ça du coup que j'en viens à cette idée de être mieux de sacrifier. Parce que justement, si je prétends que ce coup-là était le meilleur, c'est bizarre de vouloir continuer à travailler avec ces pierres-là. Parce que dans ce cas-là, l'extérieur m'intéressait plus. Bon. Ben, moi, une chose est sûre, c'est que c'est clairement l'adversaire le plus fort qu'on ait, avec qui on joue, là. Pour cette série de vidéos. Que dis-tu, c'est inenvisageable. Et ne pas répondre à l'Atari des trois pierres, c'est un peu idiot. Et pour sacrifier, je sais pas comment est-ce qu'on peut le faire en fait. Ok, j'ai P19 pour plus tard forcer l'avenue. C'est-à-dire, est-ce qu'il peut double Atari si je fais ça? Complètement jouer double Atari. Le double année, excusez-moi. Donc c'est même pas bon de sacrifier comme ça. Et j'ai pas de santé extérieure sur sa forme pour valoriser un sacrifice. Et si c'est pour jouer Gauthier qui connecte là, que je viens ici en Kosumi, pour continuer à passer la faiblesse et fermer mon or. Lui peut faire de même et d'un coup ce coup-là a moins d'impact. Parce qu'en fait je vais juste casser le potentiel de noir extérieur, mais je vais pas trop entacher la vie de ces groupes. Ok. Donc ici, je suis en train de prétendre du coup que N17, donc le coup que j'ai joué le tourné, était une erreur. Ça, c'est ce que Blanc prétend, du coup, puisqu'il accepte la variation du noir ici. C'est un peu chiant. Parce que là, vraiment, la forme est pas belle. Hein. Faut vraiment corriger le truc, limite avec un coup comme ça. Ah, il vient tout de suite. Donc, plus tard, j'ai ce Yose. Et une troisième ligne, ça ne sert à rien. Viens ici. Tac, tac. Donc
Donc c'est K16 ici qui vaut mieux de jouer, plutôt que J16. Ouais, du coup, il a son timing. C'est assez douleur là ce qui vient de se passer pour blanc. Parce que oui, on peut avoir l'impression que c'est bon, enfin que c'est ok pour blanc parce que blanc fait un bord à 20 points, un peu plus, c'est que noir en fait a récupéré seulement 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il a récupéré 7 points. Mais le fait qu'il ait eu le temps de protéger en E14 de cette façon, c'est. Ouais, c'est vraiment douloureux pour le blanc. Ok. Donc, grande question, qu'est-ce qu'on peut jouer? Aucun, ça sert plus à grand-chose. C'est pour ça que j'ai joué le Gemma, pour ne pas avoir à répondre un coup de champ comme aucun. Est-ce que la faiblesse en H17 me dérange? Tac, venu ici, s'il vient en J16, je viens. Allez, ici, coupe, sortie, capture, ici. Et on voit qu'il a un chichot qui tombe superbement bien au niveau de Q10. Comment je peux obtenir Q10? Je peux l'envisager avec un coup comme R6, hein, vous me direz, c'est toujours ça. C'est probablement pas idiot de penser cela. Parce que là, blanc maintenant est en retard, un peu. Donc ouais, il faut que j'arrive à manager ma faiblesse du coup que j'ai en J16 tout en construisant assez rapidement. Ah, il marche comme ça. Bon, alors soit on joue R6. R6, ça ne sert à rien parce qu'on a déclaré que blanc ici n'avait pas de potentiel, c'est-à-dire qu'il fait du point et c'est tout. Et en plus, avec une faiblesse. Non, en revanche, c'est pour donner ce genre d'échange, venu ici et qu'on écrase. Ben. C'est pas passionnant. Parce que, ok, noir fixe des points. Mais que fait le blanc, du coup, avec cette influence? Dans la mesure où ça a été renforcé depuis qu'il y a eu 14. Donc, ici, je vais prendre le coin. Ouais. Clairement, fallait le connaître ce Fuseki pour voir qu'il y avait un gros piège avec ça et qu'on pouvait du coup jouer ce mauvais échange ici. Sympa, j'aime bien. Ok, bah, connexion, il n'y a pas de problème. J'ai juste pas le coup qu'il va rajouter, peut-être un coup type Q11. Q11 a l'air pas mal, ou alors sinon il va tout de suite entacher la faiblesse avec J16 ou. H17. Bizarre ce coup-là. Donc, en gros, il prétend que si je joue R10 pour chercher ma vie ici, il va réussir à avoir une force ici pour construire le moyeu au centre, c'est ça? C'est pas déconnant à penser cela vu que j'ai une faiblesse en J16. Donc est-ce que je dois venir plus haut? Si je viens plus haut de cette façon par exemple, tilt Toby, faut que j'aie le temps de se reconcentrer ici. Ce que je n'aurais pas tout à fait parce que s'il vient jouer Toby, je vais devoir par exemple jouer cet échange pour qu'il protège, pour revenir ici. Et s'il casse la base de vie, c'est pas grave parce que dans ce cas-là, je suis pas mécontent de pouvoir combiner un écrasement avec une coupe. Donc du coup il ne peut pas, mais c'est lui qui a le senté ici. Et si je dois reculer qu'il joue là, maintenant j'ai beaucoup moins d'impact. Si je joue Q10, c'est qu'il joue R11. C'est ok. Bon, alors on va jouer Q10. C'est pas le meilleur coup de forme, normalement c'est plutôt R11. Sauf que si je le joue haut, c'est pour éviter qu'il prenne trop de force vers l'extérieur. Là, ouais, pour l'instant ça me semble legit. Et il faut juste savoir est-ce qu'on joue R9 ou pas. Pourquoi je réfléchis à R9? Tout simplement parce que
Faut que je sache si j'ai l'intention de sauver un jour cette pierre ou non. Et dans le plan de jeu, on parlait de jouer au 4. Donc ça veut dire que c'était viable de pouvoir envisager ce coup-là. Mais depuis que si je joue ce coup, qu'il vient ici, et que je dois protéger ici, ben soudainement, que Noir puisse jouer là, en CNT pour ensuite réattaquer la base de vie, peut-être pas si intéressant. Donc j'ai l'impression que R9, c'est un peu un CNT pour le CNT. Est-ce qu'on fait Toby ou est-ce qu'on fait R12 du coup? R12, j'en ai pas envie. Donc on va faire Toby. Tout simplement à cause de O4 qui est potentiellement senté. Il refait le Toby. Maintenant, faut juste savoir est-ce que le Bushing dérange. Ici, vous voyez. Peut-être qu'il ne dérange pas. Peut quand même avoir le briseur de Chicho si on joue Toby. Et ce qui fait que du coup ce serait dommageable parce que je venais de réparer ma faiblesse avec mon coup en 10 et ça remettrait en cause le fait que je puisse avoir les territoires ici au nord. Soit. Alors déjà je vais faire cet échange parce qu'il me semblait important du coup dans le jeu de noir. Ouais, du coup il fait le Kamal, il n'y a pas de problème. On n'est pas surpris. Venu comme ça, venu comme ça. Simplement ici, pour protéger. Alors, oui, il n'y a pas de problème. Ok. J'ai deux façons de protéger. La première, ce serait de jouer le Toby pour que quand il vient là, je puisse driver. Vous voyez ici. Et redriver un coup. Peut-être pas. Peut-être que je serais obligé de reconnecter. Et quand il viendrait là, je pourrais redriver un coup. Mais j'ai pas, du coup, activé la faiblesse en P7, en P15. Donc est-ce que je peux jouer ici? S'il joue ici, connexion, connexion, j'ai une forme ignoble. Lui aussi, mais c'est un peu trop. Parce que venu ici, est-ce que je peux jouer de cette façon? Venu et ici. Parce que s'il joue l'Atari, je peux revenir là. Capture. Et soudainement, les deux pierres ici, on s'en fiche. Parce qu'on est encore la position là. Donc je pourrais jouer là. Cette pierre-là est également importante, c'est-à-dire que depuis tout à l'heure, je suis en train de regarder comment sortir. Maintenant que je sais que je peux le faire, c'est ok. Mais cette pierre est importante dans le sens où si blanc arrive à se, si noir arrive à se renforcer ici, il aura gagné son pari de faire son milieu ici. Et c'est catastrophe. Donc maintenant qu'on sait qu'il y a apparemment un moyen de s'en sortir, faut juste regarder de quel côté bleu. De quel côté protéger? Est-ce que je protège en M12 ou en L11? Ça, c'est une bonne manière de mettre la pression sur les pierres, mais c'est trop tendre. Ça dépend. Parce que si blanc vient là, qu'on vient ici, qui déchire, on peut jouer le Hané. Quand elle tourne, peut tourner. On va le jouer de cette façon, façon direction, on va dire du coup. Ouais, protège, y a pas de problème. Tac, tac, ici, venu, et on peut revenir. Donc pour l'instant, on vient là. Donc du coup, au 4, je me suis un peu emmêlé les pinceaux, c'était pas le bon timing de le jouer. En tout cas, c'est ce que je prétends.
Tac ici. Donc coupe. Si elle coupe pas, ça va vraiment me surprendre. Mais là, en termes de partie, c'est toujours à l'avantage du noir. Donc, ouais, vraiment, du coup, c'était assez puissant finalement, son tsuké sur mon coin en haut à droite. Parce que là, ça met un jeu très tendu pour le blanc. Mais bon. Et du coup, moi, ça me rend curieux. Il ne perd pas. Donc c'est surprenant qu'il soit seulement 3 dames s'il ne perd pas. Va regarder cela. Normalement, il devrait couper. Une fois qu'il y a la coupe, la seule question à se poser, c'est bah, qu'est-ce qu'on fait? Si c'est pour revenir ici, est-ce que c'est vraiment intéressant? Ben, pas tant que ça, parce que lorsqu'il sort et qu'on vient ici, finalement, on n'a pas gagné grand-chose. Et en plus, encore faire vivre ce truc, et avec cette forme-là, ça veut dire qu'on a une grosse faiblesse ici, que pour l'instant on n'a pas. Parce que ce qui est important, c'est la position, c'est pas les pierres. Donc faut pas que je joue tout de suite avec les pierres s'il coupe. S'il coupe, dans ce cas-là, est-ce que je peux jouer un coup un peu plus étrange comme ça? Eh ben peut-être. C'est-à-dire que si c'est pour jouer de ceci, en driving, est-ce que c'est ok? Il faut lire. Ici coupe. Là, on est d'accord, ça ne sort pas. Donc c'est ok pour moi. Et bon, ça j'ai pas compris. Ça a un peu l'air d'être un coup de remerciement. Est-ce qu'on peut jouer tout de suite ici? Si venu ici, connexion, pouce, sortie, pouce, ici, capture. Donc soit on va perdre la période, soit je connecte. Pour protéger la faiblesse que j'ai du coup et ne plus avoir de problème, mais quand il sort, bah, quand il sort, il peut pas séparer, c'est déjà ça qui est donné. Mais moi, est-ce que je peux couper? Oui, parce que du coup, je peux faire le driving pour sacrifier, donc c'est pas mal de prendre l'extérieur. Est-ce que je peux monter comme ça aussi? S'il coupe, je suis obligé de revenir ici. S'il coupe, je suis obligé de revenir ici. Venu, ici, coupe. J'ai l'impression que c'est mieux de jouer ça. Confirmer que j'ai bien déchiré la forme plutôt que de juste connecter en haut 14 et le laisser revenir Ça m'a l'air d'être un mauvais coup, N15. Je sais pas pourquoi est-ce que Noir a joué cela. Parce qu'il dit que s'il joue là. Eh ben regardez, si on joue là, ici, venu, et il a le double Atari. Mais du coup, on peut jouer là. Et si connexion, on peut revenir ici, et du coup il peut pas couper. Et s'il coupe tout de suite, on peut revenir là, il n'y a pas d'inconvénient. Non, je dis une bêtise. Ok. Donc est-ce que je peux faire tout de suite l'échange? S'il coupe là, ici je veux dire. Qu'est-ce que je fais? Ben, je suis obligé de revenir là. Là, je dois revenir là. Ok. Ouais. Du coup, maintenant, on peut protéger ici. Il n'y a pas de problème maintenant, c'est bon. En revanche, il vient de faire 11 points en plus. Donc, c'est mitigé. Vraiment, je crois que là, ça se ressent bien que 4 n'était pas un bon coup de ma part parce que. Certes, on a réussi à préserver notre position extérieure, et encore, c'est même pas dit, parce que maintenant qu'il a réussi à déchirer ici, c'est beaucoup plus facile pour lui d'envisager des coupes. Mais maintenant qu'il a protégé sa position extérieure, qu'il a récupéré les points ici, ben, avoir détruit sa position, c'est pas évident que ce soit bon pour le blanc, parce que les 11 points, peut-être que noir les faisait pas.
Donc, j'ai l'impression que N15 est mauvais. Mais je suis pas certain qu'on ait pris la meilleure séquence. Ouais, donc j'ai vraiment deux coups quand même que je regrette. Le Q10, c'était peut-être pas le meilleur, mais celui-là, je pense pas pouvoir le réparer. C'est-à-dire à voir comment j'aurais fait mieux, mais ouais, O4 et M17, ça ne me convient pas du tout. Et c'est pénible à rattraper. Sinon, je crois que c'est dans 2 semaines les vacances, enfin, entre guillemets. Oh. Ok. Donc la question c'est de savoir comment est-ce qu'on ferme cette zone alors. Comme ça. Petit pouce, coupe, peut tourner ici. Mais il peut venir là. Si on vient ici, venu ici. Tac, 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 tac. Il a le temps de revenir. Donc c'est plutôt ici si on doit protéger. Et dans ce cas-là, est-ce que là-bas il peut faire mal? Pourquoi je réponds là plutôt qu'en L15? Tout simplement parce qu'en L15, j'ai pas une bonne forme, malgré tout. Donc, si j'ai pas une bonne forme, autant jouer là. En revanche, ça active du coup la faiblesse en L17. Ah, il prétend qu'il peut la jouer comme ça. Tac, venu, ici, tac, connexion, venu, sortie, connexion, ici, déchire, ici. Ok. C'est une drôle de façon d'essayer de combiner les faiblesses. Sais pas pourquoi il a joué dans ce cas-là l'échange en. L'échange ici pour blanc. Parce que vraiment dans ce cas-là, il pense capturer ces pierres-là. Vous voyez, s'il joue le hanné, ici, ici, et que nous on protège là. Atari, capture, ici. Mais du coup, on peut sortir. Et s'il connecte. On peut venir ici, il avance pour déchirer, et on connecte. Et la question est de savoir, bah, est-ce que du coup, on a un problème de forme? S'il déchire là. Ah ouais, ça met Atari sur mes 2 pierres directes. Ok. Pour l'instant, on accepte. Si venu ici, tac, capture, tac, on sort. Quand il connecte, on vient là, il vient là, et ça fait Atari sur les 2 pierres. Je peux pas les sacrifier ces 2 pierres. Donc du coup, il va sortir, voilà. Et là, je vais devoir envisager un coup comme ça. Mais s'il joue ça, qu'il coupe. Ça devient extrêmement compliqué s'il joue ici. Peut-être pas. Okay. Clairement, j'aurais besoin de plus de temps pour savoir quoi penser de cette séquence. Oui. Ok, il déchire. C'est-à-dire que ça, c'est un coup qui est gratuit pour le noir. Je peux répondre ici, mais je sais pas si je suis assez bien niveau point pour me le permettre, dans la mesure où j'ai toujours le coin ouvert. Donc peut-être que je peux combiner avec la fermeture du coin. C'est-à-dire que maintenant, ça fait une trentaine de points si j'obtiens G17. Et peut-être que c'est pas mal maintenant de le jouer. Niveau menace de co, j'en ai quelques-unes. Dans la mesure où capturer cette pierre-là, c'est un énorme yossé, mais ça ne menace pas la vie de mes groupes. Donc ça va. En revanche, ça veut dire que c'est une faiblesse où il faudra revenir assez rapidement dessus, c'est-à-dire on va peut-être même devoir sacrifier un coup de Shuban à un moment donné pour tout de suite revenir en G17 et faire le gros yossé. Et ouais, peut-être qu'on est déjà au yossé comme il prétend. Bien sûr.
Et alors, ça fait combien de temps que nous sommes ensemble là? Allez, 40 minutes. D'habitude, la partie se finit vers ces horaires-là. Donc, en effet, ça met plus de temps. Mais oui, du coup, bientôt les vacances, heureusement, et c'est plutôt une bonne nouvelle, honnêtement. Mais du coup, comme vous voyez ici, la pierre en L13 est pas bien. Elle est mal placée. Peut-être que du coup, j'aurais dû jouer K14. Pourquoi? Parce que K14, du coup, ça a empêché la capture de mes pierres. Donc ça voulait dire que j'avais toujours masqué cette faiblesse et gardé la possibilité d'entrer ici. Alors que maintenant qu'elle est ici, on voit que cette pierre-là ne sert à rien. Et pire encore, ce n'est pas encore dit qu'il ne puisse pas un jour envisager une attaque sur ce groupe-là. Donc la partie est vraiment très tendue pour le blanc ici. Donc ouais, troisième grande erreur qui a été donnée, le coup en L13. Et ouais. Mais c'est pas plus mal, ça va. Enfin, je trouve que c'est toujours intéressant de pouvoir constater nos erreurs au jeu de go. Ok. Si je viens ici, plus tard il ne répond pas, je joue ici. Il peut jouer là tout de suite, donc c'est pas une menace au coup. Venu ici pour déchirer, ça ne sert pas à grand chose. Donc est-ce que je dois répondre ici? Si j'ai pas beaucoup de menaces de coup, ça va devenir pénible. Et ici? Bien sûr. Donc normalement il va redescendre. Et c'est le moment à savoir s'il redescend en R12, est-ce que jeter une Q ou non? Pourquoi je réfléchis à cela? Parce que R13 est goté. Et du coup, ça lui donnerait combien de points en plus? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 points en plus. Sachant que j'ai ça. On va perdre la période. On répond pas. Légèrement en retard pour blanc. Alors, on va tout de suite jaunir ici. Pourquoi je joue ce coup-là? Tout simplement parce que c'était la suite que je m'étais donnée pour rapidement jouer et faire mon comptage. Tac, s'il fait 6 connexions. Plus tard qu'il joue ici, je suis obligé de capturer ici, ici. Et est-ce qu'il peut combiner pour la vie? Non, mais est-ce qu'il peut combiner pour la coupe? Peut-être. Peut-être qu'il peut combiner pour la coupe ici et poser un semeaï entre blanc qui serait ici. C'est toujours agréable cet échange, ça fait toujours plaisir quand l'adversaire le joue. Oui. Parce qu'il pense que je ne peux pas jouer ça. Parce que moi ça me plairait bien aussi. Jouer ça. On va toucher à rien. Ça a l'air assez piégeux. Et si c'est pour que tu répondes ici, je m'en fiche un peu. C'est trop mou.
et inconsistant pour penser que c'est intéressant. Ouais, maintenant est-ce que je réponds C8 ou est-ce que je réponds plutôt D9? C'est pas mal D9. C8. L'impression que D9 est mieux. Là, je suis en train d'essayer de combiner soit ma vie locale ici, c'est-à-dire si je vis ici en me laissant encenter cette coupe, vous voyez ici, ben c'est peut-être pas quelque chose de dramatique pour le blanc. Maintenant, la seule question, c'est que si je joue ça, est-ce que c'est OK? Ou est-ce que je dois venir là? Venir là pour venir là pour venir là. J'attaquerai jamais. Donc non, on répond. Y a pas de problème. Et ouais, je trouve ça pas mal du coup. En tout cas, j'essaie beaucoup plus de m'appliquer sur les parties où je joue avec l'intelligence artificielle qu'avec les humains. Parce que c'est très intéressant. Et je sais pas, j'aime mieux jouer avec quelque chose qui est objectif. Question de gagner ou de perdre, je m'en fiche, mais avoir une discussion avec quelqu'un qui est objectif ou quelque chose qui est objectif, je trouve ça beaucoup plus intéressant que qu'une personne qui souhaite toujours donner son point de vue parce qu'elle pense avoir toujours raison et qui n'est rarement capable en fait de le démontrer. Donc je trouve pas ça très intéressant sur ce point de vue-là. Ouais. Tac, venu ici, ici. Ben, d'accord, on répond, hein, y a pas de problème. Je me demande si j'ai le droit de pousser ici. C'est pas un bon échange, mais venu ici, ici, connexion, ici. Vous voyez? Et si je pousse là, qu'est-ce que ça me donne? Tac, tac, connexion, ici, Atari. Ah, mais comme il est descendu là, je suis quand même pas vivant. Oh là là, c'est toujours la grande mélodie. Donc du coup, ça ne sert à rien de pousser là. Ça me donnera pas d'œil, ça me donnera pas plus de vie. En revanche, ici, ça m'intéresse. Parce que s'il vient de cette façon, il doit encore protéger, je peux déchirer. Et là, ça veut dire que dans ce cas-là, ce groupe-là entièrement n'est pas vivant. Donc c'est beaucoup plus intéressant pour le blanc. Et du coup, il décide de protéger de cette façon-là. Pourquoi pas, hein? Je me demande si je peux driver comme ça. Vous voyez, si ici, qu'il pousse, je bloque, de capturer, je reviens, et je peux déchirer beaucoup mieux maintenant. J'ai beaucoup plus de force. Et si j'ai ici qu'il vient là, je peux venir là, il capture, je repose l'atari ici, il protège, et j'ai gueule de tigre. C'est peut-être beaucoup mieux que de jouer juste ça. Ou pas. Où est-ce que je peux jouer là? On va reperdre la période. Ça n'apporte pas grand-chose, donc on va juste connecter. Là, je pense du coup que le noir s'est mis dans une séquence où il a déclaré qu'il arriverait à tuer le blanc, quoi qu'il arrive. Parce que comme vous voyez, noir essaie de me pousser vers le nord, mais le nord, c'est là où il a fait un échange en E16 qui n'était pas si brillant que ça, et du coup, vers son groupe faible. Ouais, alors que du coup, c'est vraiment ça alors. Par conséquent. Pour l'instant, on répond no bi. Pourquoi? Je suis en train de vérifier la coupe en F14 et je veux qu'il manque de liberté. Lui doit être en train de réfléchir à savoir s'il peut combiner. Vous savez, peut-être en posant un coup comme ça. Ce qui n'est pas intéressant. Maintenant, je me demande. Je peux aussi juste répondre là et faire l'échange. C'est trop lent. Donc, on va tout de suite menacer la vie de ce groupe. Parce que faut que je me stabilise vite. Et supporter les tentatives de noir à l'attaque, à un moment donné, ça va bien 5 minutes. Faut aussi qu'on soit capable de contre-attaquer. Ok. On met la pression au maximum. Si venu ici coupe,
On a dit que je pouvais bloquer là pour le faire sortir. Mais du coup ici, peut-être plus aussi puissant que tout à l'heure. Si venu ici, sorti ici. Ouais, ça déchire. Mais je préfère plutôt la coupe que déchirer. Pourquoi? Parce que si je joue ici, voyez, qui sort, je peux driver. Et je peux le faire assez de fois pour revenir plus tard ici. Donc c'est beaucoup plus intéressant. Je peux aussi juste protéger comme ça. Tout simplement parce que s'il vient là, venu, s'il bloque ici, je peux revenir ici. On va driver du coup. J'ai pas d'autre choix que de driver. Pourquoi pas d'autre choix? J'en ai. C'est simplement le manque de temps qui fait que, qui me fait dire que je n'ai pas d'autre choix à la lecture. Ouais, je mets beaucoup plus de temps maintenant à lire. Ça ne change pas. Continue les efforts. Pourquoi ça? Venez ici. Après, là, il a fait un très gros gain. On vient tout de suite déformer. Ah, ils songent à l'échange? Ok. C'est pas alors. Ici, ça ne sert à rien. Donc, juste recule. Parce que... Ouais, il protège, c'est bon. En fait, on fait pas plus que 2 points. Alors, ok, on est sainteté, vous allez me dire. C'est déjà ça. Mais en fait, c'est pas si incroyable que ça, d'être sainteté ici. Parce qu'en plus, je sais même pas comment protéger cette horrible chose. Donc, si je ne sais pas, c'est que j'ai peut-être le droit, du coup, de continuer comme ça. Pourquoi? Si j'ai plus de sainteté ici, et plus de force, du coup... J4 me dérangera beaucoup moins. Ça me dérangera beaucoup moins de le jouer. Et oui, du coup, je disais que c'était pas très très bon pour autant ce qui se passe pour blanc, malgré tout. Pourquoi? La raison étant que blanc n'a pas assez réduit le noir. Vous voyez, ici, il fait encore trop de points par rapport à ce que j'ai escompté. Donc, c'est pas satisfaisant, tout simplement. Mais l'air de rien, ça approche petit à petit de la fin, j'ai l'impression. Alors. On a plus ou moins commis de retard. Ouais. On coupe. Il me dit que la capture en chichon ne fonctionne pas, c'est ça? Parce que s'il pousse là, tac, je viens ici. C'est pas, j'ai envie de voir. Pour une fois, j'ai pas envie de croire ce qu'il me dit. 6 pouces, ici, ici. Donc normalement, il vient tout de suite là. Je descends. Ouais. Ok. Du coup, je peux venir là. Et maintenant, j'hésite. Est-ce que je peux connecter? Si je connecte, qui vient ici, je suis obligé de connecter. Protection. Je peux revenir là. Ok. Ok, on protège. C'est dangereux là ce que fait le blanc. C'est-à-dire que la partie était à peu près serrée. Si jamais je me rate, je perds simplement la partie.
Mais j'ai pas l'impression que Noir, en fait, puisse faire ce qu'il prétend. Et c'est un peu quelque chose qui m'ennuie de le laisser dire ce qu'il souhaite. S'il pousse ici une coupe. Donc j'ai l'impression que pour l'instant, j'ai pas trop le choix. En revanche, après, c'est pas dit. Pourquoi? En fait, je compte aussi les libertés. Et s'il vient là, dans ce cas-là, je recommencerai une fois cet échange. Mais s'il joue Toby, je peux venir là. Ouais. Et s'il joue le Hané, je peux couper. Pas. Je peux pas couper. Donc je suis obligé de venir là. Pour répondre à un coup mou comme ça. Revenir ici, mais il peut couper. Donc il faut que je voie ça dessus. Ok. Donc ouais, là, c'est un peu une séquence type pousser l'adversaire à l'abandon que je viens de faire. C'est malin. Il refuse de donner les échanges, comme ça, il prétend que c'est tout à fait satisfaisant pour lui. Je vais le pousser à donner les échanges. Parce que j'en ai besoin pour protéger la vie de mon groupe. Est-ce que je la joue comme ça? C'est venu ici, qu'il vient, je viens. Je peux aussi juste la jouer comme ça. S'il vient là, je peux revenir ici. Est-ce que c'est intéressant ou est-ce que je dois revenir tout de suite là? J'ai l'impression que j'ai pas le choix que de revenir ici. Ok. Donc là, maintenant, nous sommes au IEC. Après, c'est plutôt bien qu'on ait eu K9 parce que ça fait que Noir peut couper ici, on s'en fiche, si c'est pour garder le maximum de points là. Parce qu'il prétend que s'il vient là, on joue ça. Donc tac, il prétend de venir là. Ici, là, ici. Et d'un coup, on a un gros litige. Ok. Donc notre premier IEC, ce sera de faire vivre le groupe au centre. Ouais. Avec un coup comme ça, ça a l'air pas mal. Parce que je menace également la coupe, là. Donc, ça a l'air pas mal. Tout simplement parce que ce groupe-là n'est pas tout à fait vivant. Si je peux menacer la coupe. Et potentiellement, celui-ci ne le serait pas. Donc ça m'intéresse plus. Ouais. Bah, du coup, on capture. C'est bizarre, soit je suis complètement à l'ouest, soit Noir d'un coup s'est retrouvé à jouer des coups moins pertinents pendant son Shuban. Ce qui est bizarre parce que normalement, si on joue correctement justement notre Fuseki, c'est pour ne pas se perdre au Shuban. Donc j'ai un peu de mal à comprendre du coup ce que Noir cherche à obtenir. Ouais, on n'a pas le choix, c'est le pont. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Pourquoi je joue H2 plutôt que de capturer tout de suite les pierres? Tout simplement parce que j'ai encore des menaces de coups ici et là. Donc je veux pas que Noir fasse trop de points ici.
S'il en fait 4, ça me va. S'il en fait plus, ça ne m'ira pas. Donc voilà. Du coup, je préfère faire mon IEC également en menaçant du coup de sauver ou de couper les pierres avec K2 pour être plus intéressant dans mon IEC. Ouais. Ça, il a raison. On répond. Ah, d'ailleurs, il ne reste plus qu'une seule période. Donc, j'ai vraiment utilisé mon temps au maximum. Comme vous voyez, je vous avais dit, il s'agit de parties qui sont assez compliquées quand on prend des parties de 30 minutes. Mais j'espère que vous ne vous ennuyez pas trop, du coup. Parce que ce n'était pas prévu que je fasse des parties aussi longues. Ok. Est-ce qu'il envisage de connecter ici? C'est ce qu'il envisage de faire. C'est un bon coup ou pas? K3, normalement, c'est CNT pour noir, donc ça peut l'intéresser. Ce coup-là, je suis pas certain, par contre, que ça va intéresser qui que ce soit. En revanche, ça peut être intéressant potentiellement. Je sais que j'ai rien à faire. Et si je connecte en pur? J'ai tout à y faire si je connecte en pur. C'est mieux de faire ça. Si j'ai ici protège comme ça, c'est ça qu'il dit. Si j'ai ici qu'il coupe là. C'était peut-être pas si gros. Je saurais pas vraiment dire. Maintenant entre ça. Probablement mieux déchirer comme ça. Il n'y a pas de souci. Si je me demande, tac. Ici. Je vous avouerai que je suis pas vraiment en comptage des points là maintenant. Donc pourquoi? J'ai compté deux fois. Je sais à peu près ce que blanc a et ce que noir a. Mais en revanche, j'ai pas de certitude à savoir est-ce que je
perd ou gagne la partie, c'est pour ça que je la continue. Je crois que je suis toujours en retard. Mais ça m'a pas l'air d'être énorme si jamais j'en ai un en retard. Donc, vous avez raison, il faudrait que je compte. À 54 points. Et mon blanc à combien? Blanc à 50... Blanc à 61 points et noir à 55 points, de ce que je vois. Donc clairement... Alors si je me trompe pas, c'est formidable, hein, mais c'est clairement pas un joueur facile comparé aux autres joueurs avec qui on a déjà pu jouer. Ça réduit pas des points pour l'instant ce qu'il est en train de faire. C'est pas du tout inquiétant. Ça ne l'est pas non plus. Oui, ça en revanche c'est énorme. Peut-être là. Oui. Oui. On répond. Alors ça par contre ça sert absolument à rien. Faut arrêter de vouloir être sainté pour être sainté. Si on n'a pas de sainté, c'est pas la fin du monde. Oui, ça c'est gros. Tac, si le répond là, on vient là, ici. Protection, descente, capture, ici, connexion, ici. Donc ça c'était pour le moment. Ok, ça c'est santé parce que si on descend là qu'il ne répond pas, on peut jouer là. Et s'il répond là et qu'on joue là. Ah oui, d'accord, autant pour moi.
Je comprends mieux maintenant l'idée. Oui. Ouais, il a raison, c'est gros ce qu'il vient de jouer. Ça peut être intéressant aussi hein, pour plus tard. C'est goûté. C'est vrai que c'est gros d'avoir eu le 9. J'aurais peut-être dû le jouer de cette façon-là avant. Donc là, j'ai dû perdre un ou deux points pour mon Yossé, parce qu'il est pas très très bon là, de ce qu'on voit. Ouais, c'est la raison, c'est à lui. S'il vient là, je viens ici. Il peut venir là, mais je viens ici. S'il vient là, je viens ici. Il peut venir là, mais je viens là. Donc non, c'est ok. Ici, est-ce que je peux faire un point? J'aurais pas mon point ici. Soit. Alors, ce point-là, c'est pas grand-chose. Ça vaut rien d'avoir retiré ce point pour blanc parce que j'avais déjà compté. C'est compliqué de jouer les parties en matinée. Ah oui, je suis bête. Ça lui donnait un point, ça. J'avais compté qu'il n'y avait pas de points à cause de M1, mais je me suis complètement trompé. Ah là là. Je viens de perdre 4 points du coup, Yossé. Oh. Non, 3. Ouais, c'est beaucoup. Ah, je suis un peu idiot, c'est la deuxième fois que je fais, enfin la deuxième fois, en vidéo, que je fais des erreurs comme ça. Tac, si tu coupes, je viens là, tu connectes. Tac, tu coupes, je viens là.
chose à jouer ici. Zut, zut. Donc ça, c'était un point également. Apparemment, j'ai une concentration qui fluctue trop hein, pour le lieu C. Parce que là, c'est des autant de points... c'est inadmissible. Proprement inadmissible. J'ai pas l'impression qu'il y a autre chose à jouer de toute façon. Donc j'ai laissé 4 à 5 points au lieu C. J'avais dit que j'avais combien d'avance déjà? Je me souviens même plus. Pas grand chose, je crois que j'avais dit que j'avais. Bah au moins si elle est perdue, on sait que c'est à cause de mon lieu C qui était vraiment mauvais. C'est déjà une bonne nouvelle. Déclare que la partie est terminée ou toujours pas du coup. Je regarde les règles. Nous sommes en japonaise donc on peut passer. Donc ouais, on gagne la partie de 5,5 points. Sachant que normalement, on devait la gagner de 4 points de plus. Donc c'est plutôt mauvais de ma part d'avoir fait un lieu c'est aussi mauvais. Mais bon. Bon. Alors, je vais faire une pause pour souffler, comme la partie était longue, et je pense aussi pour vous. Et on se revoit dans un instant pour le commentaire. A tout de suite. Alors... C'est bon, oui. Je suis désolé, ça fait un petit moment que j'ai plus l'habitude avec la caméra. Bon. Alors, comme on a vu, on a joué avec un adversaire 3ème Dan qui était probablement l'adversaire le plus fort que vous ayez pu voir sur la chaîne, du coup. Je crois. Et... Ouais, c'est qui? Je me suis quand même bien fait avoir avec cette histoire de N17 que je regrette toujours autant. Mais au moins la prochaine fois, je serai plus vigilant. Mais étonnamment, le Shuba n'était pas aussi puissant que ce qu'il proposait au Fuseki, donc je sais pas trop. Mais en tout cas, je crois que ça a montré une des faiblesses dont je vous parlais, c'est-à-dire que je suis beaucoup trop dans la contemplation du jeu. Et ça me fait commettre quelques erreurs parfois, justement. Donc on va essayer de regarder ça assez rapidement, parce que même si c'est toujours agréable d'avoir une vidéo pour passer un dimanche après-midi, c'est quand même bien qu'il y ait une fin. Aux commentaires, en tout cas, j'entends. Donc pour l'instant, j'ai pas vraiment le choix dans mon Fuseki. Oui, comme je disais, vraiment, ici, c'est presque de l'ordre en fait d'une erreur. Hein. C'est quand même mieux de répondre de cette façon, malgré tout, et de proposer un nouveau go. C'est-à-dire que si blanc vient ici maintenant, c'est beaucoup mieux pour le noir, parce que si on imagine quelque chose dans ce goût-là, par exemple, blanc va avoir beaucoup de mal à oser jouer S14. Je vous montrerai plus tard pourquoi, mais c'est vraiment un je-sais-qui, du coup, qui serait dangereux pour le blanc. Peut-être qu'on reviendrait ici. Et noir est beaucoup plus intéressant de cette façon. D'avoir... On voit que c'est noir qui donne un lead à sa direction, et c'est pas mal pour la partie. C'est-à-dire que si on imagine quelque chose assez convenu comme ceci... C'est vraiment pas inintéressant pour le noir de jouer de cette façon. Peut-être même qu'il peut R13 pour tout de suite calmer le blanc et déclarer qu'il n'y aura pas cette coupe, puisque non, elle n'a pas vraiment le chicho. Mais moi, ouais, j'aime mieux ce genre de partie pour le noir que ce que noir avait proposé au départ. Donc, je pense que c'est de l'ordre d'une erreur quand même de ne pas avoir tenté de jouer de cette façon.
Mais bref, je pense pas que ce soit une trop grosse erreur non plus, mais je pense que c'en est une quand même. Donc blanc vient là. Et oui, du coup, pourquoi je montrais ce coup-là? Parce que personnellement, moi, je viendrais plutôt ici pour proposer je sais qui en fait. C'est-à-dire que si blanc accepte de cette façon, c'est vraiment pas un je sais qui est aisé à tenir pour le blanc. C'est-à-dire que coupe, excusez-moi, sourire un peu de latence, venu ici, noir. Et lorsque blanc vient ici, noir a deux choix. On peut envisager de venir ici ou simplement ici, mais puisque noir a le chichot, je pense que c'est mieux de jouer là. Et on arrive du coup sur une espèce de variation qui est assez ignoble. C'est-à-dire que c'est un. Mais en fait, comment dire, ce je sais qui est encore étudié par les pros. Et on trouve encore des nouvelles séquences qui sont horribles. Et bah, du coup, j'essaie d'en faire de temps en temps des séquences comme ça. Et vraiment, c'est assez catastrophique. Hein. C'est-à-dire que là, faut imaginer que noir vient ici, blanc donne les mauvais échanges. Voilà. Et à ce moment-là, il faut savoir bah, que fait le blanc. Et on aimerait avoir envie de jouer N17, mais ça ne sert à rien parce qu'on a toujours la coupe. Le chichot, on ne l'a pas tout à fait. Donc blanc doit revenir pour protéger le coin. Et comme noir sait que blanc n'a pas le chichot, bah, plutôt que de simplement capturer les pierres ou de protéger de manière trop lente sa forme ici, noir peut encore envisager ce coup-là et blanc doit forcer au maximum. Et ça donne une nouvelle variation de ce chaussée qui est ignoble. Mais par conséquent, se disant que c'est une bonne chose à faire dans ce genre de contexte pour le blanc, en tout cas c'est ce qu'il prétendait dans les vidéos YouTube, mais maîtrisant pas cette séquence, je pense que je viendrai clairement ici. Et enfin, on revoit que noir aurait envie de ce coup-là. Et c'est pour ça que je dis que c'est presque de l'ordre d'une erreur, mais pas tout à fait, parce que, à la différence de tout à l'heure, en fait, blanc pourrait envisager le je sais qui compliqué plutôt que de faire le simple. Et si blanc revient ici, en revanche, on se rend compte que finalement, c'est pas très très grave pour la partie. Mais même ici, c'est même pas dit que j'accepte tout de suite le changement de direction, je pourrais aussi envisager un coup comme ça. Oh là, je me suis trompé en plus, plutôt ici. Je pourrais encore accepter ou jouer un coup comme ceci. Et c'est pas très très bon. Donc oui, suis pas certain que. C'est pour ça que ce coup-là me perturbe un peu. Mais bloquer ici, en revanche, ça me choque absolument pas. Donc venu ici, et je suis venu là en déclarant que c'était le bon coup à jouer. Et prenant compte de ce qui s'est passé dans la partie, c'est peut-être pas vrai. Peut-être que je devrais venir ici. Donc si noir blanc ici, il n'y a pas de problème. Noir peut très bien envisager ce genre de chausseki et changer la séquence. Vous voyez, comme ceci, il n'y a pas de souci à cela. Mais en revanche, ce que je me dis, c'est que si noir joue ici, comme je vous proposais dans la partie au départ, c'est-à-dire cela, excusez-moi, j'ai un appel. Faudra que je rappelle juste après. Du coup, j'ai plus de musique et ça me perturbe. Blanc peut venir là et en fait, noir va jouer ce genre d'échange. Et c'est là que je savais pas vraiment est-ce que c'est une bonne idée ou pas de jouer R3. Et c'est pour ça que justement j'ai fini par revenir à F17 en pensant que c'était le meilleur coup. C'est bon, je suis en appel manqué donc je vais pouvoir remettre de la musique. C'est-à-dire que si je dois jouer Partey Waris ce chausseki là, c'est bon pour blanc d'avoir fait ça. Parce que usuellement on protège par l'extérieur. Mais, enfin, usuellement, pas toujours. Dans la nouvelle version contemporaine, c'est aussi comme ça, c'est vrai. Oh là là, maintenant il existe tellement de jeux échecs, c'est une tannée de tous les comprendre. Mais bon, je préfère faire ça que faire des tsumego personnellement. Et c'est-à-dire qu'ici, j'ai un gros litige. Est-ce que je dois jouer un coup comme S3 parce que noir ne répondra pas et du coup je me garde du Semtex pour le IEC? Est-ce que je peux couper? Ce qui serait étrange parce que noir va se stabiliser trop vite et ici il est déjà fort. Donc couper m'a l'air d'être une énorme erreur. Ou alors, est-ce que je dois alors envisager un coup comme D11? Et je suis pas certain que blanc soit. Je pense pas que blanc soit en retard, mais c'est très compliqué pour moi personnellement d'envisager lequel des deux coups me semblerait le meilleur ici. Et par conséquent, comme je ne trouvais pas de bonne réfutation à cette lecture, ben, je suis arrivé à la conclusion de me dire que F17 était le meilleur coup. Et peut-être que c'est le cas, peut-être pas. En revanche, ici, je ne comprends pas pourquoi noir n'est pas venu là. Vraiment, pour moi, c'est le coup à jouer.
obligatoirement. Ou alors R6 au moins. Mais quoi? Tout simplement parce que maintenant, il y a un choix entre A et B pour blanc à faire. Moi, je pense que je jouerais plutôt A pour tout de suite me stabiliser et potentiellement créer une faiblesse sur ce groupe. Mais le coup B n'est pas mauvais non plus parce que du coup, on pourrait réussir à faire quelque chose du genre entre 29 et 32 points. Donc c'est vraiment pas mal. Donc je sais pas trop, mais que Noir vienne là, pour moi, c'était une erreur. Et là où je pense que j'ai livré mon erreur, elle est du coup, comme je vous disais, ici. Et jamais je dois jouer ce coup-là. C'est ça qui a fait que Noir avait eu un bon échange. Je dois revenir ici impérativement. Et là, soudainement, on se rend compte, ben, si Noir joue ici, c'est un peu vide de sens, parce que plus tard j'ai la coupe, je peux même l'envisager dès maintenant, parce que ça donne un coup faible, cette fois-ci. Et je le ferai probablement pas, parce qu'il y a le sacrifice ici de la pierre, mais ça veut dire que si jamais je viens, par exemple, ne serait-ce qu'ici, ben, Noir va devoir jouer avec la pierre en O17, et donc c'est créer un coup faible. Et soudainement, ces deux échanges deviennent mauvais. Vous voyez, si on imagine quelque chose dans ce coup-là, c'est très compliqué, parce que si Noir, admettons, accepte ces idées-là, ben soudainement qu'est-ce qui se passe? Ben, vous allez voir, Noir va jouer avec son groupe faible. Et du coup, c'est pas intéressant. Donc ouais, ça c'est vraiment ma grosse erreur de la partie. J'ai vraiment détesté ce coup-là. Surtout que je suis obligé de revenir ici. Et vraiment, je pense que c'est un coup qui est obligatoire, hein, parce que sinon je vais me créer des faiblesses de partout et c'est catastrophique. Donc ça souligne bien que N17 était mauvais. Rien qu'à voir la forme. Donc Noir vient ici tout de suite pour créer la faiblesse ici et réparer la. Moi ça me va. Et ici, j'avais proposé R6 en disant que je ne pouvais pas être trop lent. C'est-à-dire que certes, cette faiblesse est là, mais c'est jamais qu'une faiblesse. C'est pour verrouiller le board. Donc je pense que je peux Tenuki pour l'instant. C'est juste dommage de laisser encore un flanc ouvert. Mais si je disais que je devais être plus rapide, peut-être que je devrais jouer là. Puisque justement dans la partie, on a vu que je suis revenu en R3. Construction extérieure au noir, et à ce moment-là, ben si noir bloque de cette façon, c'est pas très dérangeant, puisqu'on revient un petit peu à la séquence de tout à l'heure. Sauf que maintenant, le choix est beaucoup plus aisé de venir ici parce que je n'ai plus la faiblesse là. Et je pense que c'est une partie qui est correcte pour blanc, même si vraiment je trouve que c'est un léger retard. Et si noir bloque dans l'autre sens, ben en fait, il va changer la direction, mais. Cette fois-ci, maintenant que le bord a pris trop de valeur et qu'en termes de ça va, ben je vais simplement jouer comme ça. Et le laisser récupérer le coin. Plus tard, c'est du Yossé, donc je pourrais aussi récupérer à mon tour le coin, mais. C'est surtout en voyant cette séquence que je me dis que c'est pas mal pour le blanc. Et du coup, avoir joué R6, peut-être que c'était pas très très bon. C'était peut-être trop mou de ma part. Alors que je disais que je voulais être dynamique. Avec ce qui s'était passé, donc c'est un peu nul. Donc non, je joue là. Ça m'a énormément perturbé ce coup-là, parce que c'est plus un coup de direction depuis que Noir a donné l'Atari angle vide. Parce que Blanc, du coup, comme il a pris son extension, n'envisage plus de faire des points, enfin de faire du potentiel, mais a déjà ses points qui sont fixés. Donc vraiment, ce coup-là, ça me semblait mauvais. Et c'est pour ça que je trouvais que c'était pas trop mal de venir tout de suite intervenir sur le board, mais le coup en Q10 me semble pas bon. Comme je vous ai dit pendant la partie. Et peut-être du coup que je dois jouer plus serré sur les formes et mettre une bonne pression au point. Pourquoi? Parce que j'ai déjà trois coins, ce qui est vraiment pas mauvais. Et si c'est pour donner une pression comme ça au noir, ben si on imagine ne serait-ce que noir maintenant qui donne la suite à son coup, bon ben en soi, est-ce que c'est catastrophique pour blanc? Ben j'en ai pas l'impression. Parce que certes, je dois protéger. Je dois venir protéger ma forme maintenant. Mais en soi, que noir vienne là, j'ai fait ma séquence de réduction. Et comme vous voyez, c'est un peu hold pattern, hein, finalement, c'est le coup à l'épaule pour avoir cette forme. Et vous savez que si noir vient là, je peux protéger quelque chose comme ça. Peut-être que je le ferai différemment cette fois-ci, parce que je veux prendre en compte coupe en P14 que je veux activer un jour. Mais je pense que le flow de la partie est bon pour blanc, mieux que ce qu'on a donné ici. C'est juste que c'est une partie où on. Une long game, comme on dit en anglais, c'est-à-dire on va directement IEC le plus vite possible. Dans la mesure où blanc a déjà plus de points territorialement que noir, c'est pas une mauvaise stratégie, je pense, de ma part. Donc c'est dommage d'avoir joué ce coup-là. Mais bon, comme vous voyez, c'est compliqué de maintenir un niveau élevé en commentant la game en même temps. Donc bref, noir qui vient là, chien là. Et ouais. Bon, on est d'accord, hein, c'était mauvais, comme je disais dans la partie. C'est un coup qui est un peu vide de sens. Donc, il y a deux choix.
Le premier serait simplement de faire le Toby, comme je parlais dans la partie. Donc je sais pas pourquoi d'un coup je suis revenu sur ce coup-là alors que j'avais dit que c'était pas bon, enfin que c'était pas le moment. Et l'autre idée, donc le Toby pour éviter que Noir justement développe un potentiel ici, l'autre idée serait simplement en fait de venir faire tout de suite le Sente. Comme ça, Noir descend, et maintenant je peux revenir là, je pense. J'ai beaucoup plus de capacité de vivre localement. Le Boshi est moins puissant puisque blanc est assez stable. Comme vous voyez, capacité base de vie et action pour se connecter. Donc du coup, je pense que c'était mieux pour moi de jouer comme ça. Ou personnellement, je crois que vraiment le Toby c'est le meilleur coup à donner ici. Parce que O4 n'est pas si grand que ça. C'est un gros Sente douloureux pour le blanc, mais c'est jamais que du gros Yossé en fait. Donc ouais, jouer ce coup-là c'était nul. Donc Noir qui vient tout de suite mettre la pression, pas de problème. Et moi c'est ici. Alors ici, j'avais conclu que je ne devais pas jouer avec ces pia, et je pense que oui, parce qu'il faut les sacrifier. En revanche, j'ai joué ce coup-là un peu parce que j'étais en manque de temps, comme vous voyez. Mais c'était pas excellent. Et du coup, je me demande si je devrais pas mieux, si je serais pas mieux de jouer ça. Pourquoi? L'idée va être d'initier le mouvement, c'est-à-dire que Noir va vouloir capturer la pierre pour confirmer son centre et connecter. Et Blanc, du coup, a gardé son impératif. Certes, ces pierres-là peuvent. Mais je suis complètement en train de viser le bord de Noir. Et ces pierres-là, dans la mesure où elles sortent en coupant ce groupe-là, bah, je suis beaucoup plus pertinent parce que j'ai été senté pour avoir le temps de jouer au 14. Ça change vraiment beaucoup dans la partie parce que maintenant, si Noir vient ici, ça va être compliqué pour Noir d'envisager la coupe. Donc en fait, Noir va devoir reculer assez éternellement. C'est-à-dire de cette façon. Et maintenant, il va couper en revanche pour créer le Dame Izumari. Le noir doit encore protéger sa forme. Donc, du coup, je peux revenir ici pour vivre localement. C'est-à-dire qu'on peut imaginer plusieurs choses, hein, mais ne serait-ce que Noir qui vient là, peut-être que ça, c'est suffisant pour moi pour vivre. Et si je vis carrément, ben ces pierres-là sont pas faciles à capturer. Donc, je suis pas en désavantage. Après, je suis pas certain là, de ce que j'avance. Hein, je vous préviens tout de suite. C'est-à-dire que je pense que c'était une autre façon de manager la coupe, mais j'aime pas avoir joué ça dans la précipitation et je suis pas convaincu que ce soit très très bon. Surtout parce que je suis arrivé à cette séquence et là par contre je comprends vraiment pas pourquoi Noir ne s'est pas donné le plaisir de couper. C'est obligatoire en fait ici. Tout simplement parce que, alors comme il n'y a rien de jouer ce coup-là et ce coup-là me semblait pas très bon. Donc il va falloir qu'on revienne ici. Noir protège alors à son tour, revient là, protection. Je donne mon échange Sente, et maintenant je vais pouvoir tenter la vie. Donc normalement comme ça. Et c'est vraiment pas aisé pour Noir de tuer, parce que si Noir se donne le maximum de possibilités pour essayer de tuer le blanc, ben vous voyez qu'il y a un gros problème de liberté sur l'autre groupe. Donc c'est ok pour moi. Parce que Noir ne peut pas tuer, et du coup j'ai la position au centre plus le bord, et je pense que c'est beaucoup mieux. Mais comme vous voyez, ce genre de séquence, ça dépasse de 7 coups, ce que je suis capable de lire en variation, donc forcément, j'ai pas encore assez de force de lecture ou de connaissance sur mes formes pour jouer ça. Donc quand Noir joue ça, comme je disais, c'était bien pour Blanc. En revanche, bien pour Blanc, d'accord. Mais comme je disais, j'ai mon regret. Je suis content de ce qui se passe, mais j'ai donné un peu trop de points. J'avais dit que j'avais donné 11 points en trop à Noir. Donc c'est un sacrifice qui est de ces deux pierres qui est pas assez bien fait. Tout simplement parce que ces deux pierres-là ne valent plus rien. C'est pour ça que je disais qu'on perdait 11 points. Et par contre, avoir joué ça, c'est vraiment mauvais. Et pour moi, ce coup-là vraiment est pas mal. Vous savez, pour masquer la faiblesse ici, parce que comme je vous ai dit, on avait cette faiblesse à corriger, c'est ce que je cherchais. Et sinon, je peux aussi répondre plus simple comme ça brise également le chichot. Donc, ouais, pour moi, c'est une erreur d'avoir joué ce coup-là, comme je disais dans la partie. Donc, noir qui vient là et blanc qui vient ici. Et disons qu'à ce moment-là, je savais pas que j'avais assez de points d'avance. C'est-à-dire qu'en vérité, je devais être à peu près à un commis d'avance. Et je crois que je l'ai découvert plus tard dans la partie quand je vous disais que j'avais le commis d'avance. C'est-à-dire que dans ce cas-là, je peux juste jouer ça. Et maintenant, je peux protéger mon coin et revenir. Et vous voyez, j'ai complètement masqué cette faiblesse maintenant, parce qu'il ne peut plus menacer un jour de couper. Donc pour moi, c'est une meilleure façon de jouer plutôt que d'avoir joué ça. Mais ça encore me semble pas trop mauvais. C'est l'Atari surtout qui a.
pose problème. C'est-à-dire que ça, je pense que j'aurais dû rejouer de cette façon. Pourquoi? Parce que maintenant, je peux encore menacer cette faiblesse. Noir qui vient ici. Et on revient en fait à la même séquence de tout à l'heure. Alors, si je peux la retrouver. Voilà. Sauf que. Ah oui, d'accord, c'est pour ça que c'est pas exactement la même. Je vais d'abord pousser là avant de tourner. Mais c'est la même séquence, en fait, à peu de choses près. Donc je pense que c'est une bonne manière de manager. La différence, c'est que ici, je suis goté. Et je suis goté, mais je fais plus de points. Et ici, je suis senté, mais je fais moins de points. Donc je pense que c'est à peu près équivalent. Pour ça que je dis que pour moi, c'est surtout cette coupe-là la bonne. Donc connexion, venue ici. Et là, j'ai gridé. De toute façon, ça s'est entendu dans la partie. Comme je trouvais que la partie était serrée, je me disais, bon, est-ce qu'on peut pas juste grossir le coup et quand on gagne le coup, être sûr que la partie est gagnée? Oui, ça peut être une stratégie quand on a assez de points d'avance. Là, j'ai seulement le commis, donc je pense que, ouais, définitivement, il faut revenir ici. Il y a pas de temps à avoir là-dessus. Parce qu'en plus, il y a des points ici. Hein. Donc finalement, les points que j'ai. Là, ont été cédés là, c'est pas très bon, même si ça m'a donné l'entrée en C12, on est d'accord. Donc ici, un instant, venue, coupe, tout ça. Ici, je pense que je pouvais tout de suite connecter en H17, mais je l'ai pas fait parce que j'avais l'intention de connecter ici, comme je pensais que c'était OK. Mais la partie était compliquée, c'est-à-dire que je me sentais pas. Pour moi, c'est pas confirmé que je suis devant à ce moment-là. Je me pense un petit peu devant, mais de très peu de points, comme je disais. Donc ici et là. Et je pense que ce coup-là a été joué un peu trop en automatisme. Je comprends pas pourquoi j'ai pas joué là, en fait, en voyant la partie. Parce que c'est la même chose, mais non, on ne peut rien faire de toute façon ici. Il n'y a rien à espérer. Pourquoi je stabilise pas très vite mon groupe? En soi, il n'a pas d'IOC à donner, et au mieux, il peut tenter un truc comme ça. Mais c'est pas beaucoup mieux pour lui. Donc, faire attention aux automatismes parce que c'était pas très bon d'avoir joué ça. Atari, donc ça on a dit, on est toujours heureux quand on a ce genre d'échange hein, parce que ça limite tout l'adji que j'avais avec mon coup en C15. Donc finalement, il m'a rendu mon coup bon. Et moi, du coup, c'était assez facile de s'installer et de vivre en détruisant le bord de noir. Il n'y avait pas vraiment de difficulté. Ouais, du coup, on met la pression, tac, tac, tac. Il n'y a rien qui me choque là. Non, on drive pour s'en sortir très rapidement. Là, c'est bon, on est libéré. Et il joue ce coup goté pour protéger son groupe, ça me choque pas. Et là, j'ai joué ça. Pourquoi j'ai joué ce coup-là? Je vous explique. En fait, ce qui m'embêtait, c'était de ne pas pouvoir jouer ce coup-là. Parce que ce coup-là, ici, il y a trop de faiblesse de forme, de ce côté comme de celui-ci. Donc, je ne peux pas fermer mon bord. Et comme je vous ai dit, je veux avoir plus ici pour mieux le fermer. Et ici, donc pour l'instant, il n'y a rien qui me choque. Mais disons que c'est juste après que ça vient. C'est-à-dire ici. J'ai décidé de dire, bon, allez, on va être combatif. Et comme je vous ai dit, c'était dangereux parce que c'est le genre de partie, quand vous le faites, qui pousse l'adversaire à l'abandon. Oh, réellement? Je vous prie de m'excuser, vous n'avez pas de musique depuis un petit temps. Voilà. Et comme c'est le genre de partie qui pousse l'adversaire à l'abandon, c'est dangereux. Parce que ça veut dire que blanc se met aussi en danger. Et du coup, je pense que j'aurais dû juste suivre le plan de base, comme ceci. Et maintenant, je peux fermer et j'ai plus de faiblesse sur mon bord. Donc, je pense que c'est beaucoup plus efficace que d'avoir fait ce que j'ai fait. Surtout qu'ici, j'ai joué ce coup-là, mais je pense que c'est mieux de jouer là. Pourquoi? Alors, on est d'accord, si c'est pour jouer ce genre de coup. Connexion. Ici, je pense que ça c'est mieux. On est d'accord que si c'est pour jouer ce genre de coup, c'est vraiment pas satisfaisant que blanc ferme le bord en sacrifiant toutes ses pierres. C'est-à-dire que blanc fait une plus-value, mais noir également. Donc j'ai rien gagné et probablement même que noir gagne plus que blanc ici. Hein. Mais ici, je me suis dit, ben, je peux aussi faire autre chose. C'est-à-dire, premier lieu, plutôt que de protéger en connectant. Ben, pourquoi je pourrais pas simplement venir ici? Et ça a l'air pas mal, vous savez, pour menacer le tombstone ici.
qui est souvent déplaisant pour l'adversaire. Comme ceci. Et vous voyez, quand je capture les pierres, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de doute à avoir. Mais du coup, comme je peux faire cet échange, c'est pas mal. C'est que, du coup, noir, s'il veut poser des problèmes au blanc, n'a qu'une seule façon de procéder, c'est celle-ci. Et ça veut dire, du coup, connexion, venue ici. Mais du coup, je peux très bien envisager ce coup-là. Et j'aime bien parce que noir doit encore séparer les pierres. Je peux revenir là, et je suis encore senté pour que noir vienne me tuer. Du coup, ça veut dire que je peux fermer le bord complètement. Alors, on va me dire, mais finalement, j'ai pris le coin. Oui, mais en fait, en termes de pierres capturées, j'en ai autant que lui. Ce qui veut dire que là, ce qui est à regarder, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Donc 8 plus 7, ça fait 15. Maintenant, on regarde ici. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Je fais 2 points de plus. Donc je suis bon. C'est un bon sacrifice pour noir, pour le blanc, parce que du coup, comme j'ai 2 points de plus et que je ferme mon territoire, ben, la partie est terminée en fait ici. Donc c'est beaucoup mieux pour moi de jouer comme ça, ce que je n'ai pas fait malheureusement. Je me suis posé rapidement la question, mais comme j'ai vu que j'avais plus de temps, je n'ai pas lu la séquence jusqu'au bout, et du coup je suis revenu très vite sur ce coup-là. Tout simplement parce que je savais que je ne pouvais pas tuer les pierres de blanc. Alors ici, j'ai pas compris pourquoi il n'a pas joué simplement ça. Blanc vient là et noir protège ici. C'est-à-dire que noir peut essayer de couper, mais c'est assez dangereux. Vous voyez, comme ceci. Pourquoi c'est dangereux? Tout simplement parce que c'est pas une forme qui se tue comme ça pour l'adversaire. Peut-être que noir, d'ailleurs, devrait le faire autrement. C'est-à-dire, de cette façon. Pour moi, espérer un jour menacer cette chose. Et c'est pas du tout une partie qui est évidente à tenir. Vous voyez, si on imagine quelque chose dans ce coup-là. Là, je peux peut-être donner l'échange rapide. Et lorsqu'il vient là, j'ai encore assez de liberté pour venir là et du coup je peux venir ici. Ah, excusez-moi, je peux venir ici. Ou pas. Tac, tac, tac. C'est ok, ça passe à une liberté. Mais bon, du coup, pour une fois, j'avais un bon instinct, du coup. Parce que si ça passe à une liberté, clairement, je pensais que c'était ok, mais je pensais pas que c'était si serré. Mais du coup, c'est revenu ici. Et la différence, c'est que quand il vient là, bah du coup, j'ai quand même forcé l'échange, c'est-à-dire donner un peu de points en plus pour me stabiliser. Et c'est beaucoup plus agréable, on va dire. Mais j'ai dit que je me mettais en danger. Pourquoi? Parce que je pense qu'en effet, noir pouvait peut-être retourner la partie. Et j'ai pas vraiment trouvé de séquence. C'est-à-dire que la seule séquence qui est envisageable, c'est de jouer le War Icomi ici. Et ça. Et en effet, ça tue les pierres. Sauf que je suis pas certain que ce soit bon, parce que si blanc vient là, ben, noir a un mauvais échange, d'accord. Mais comment noir protège comme ça? Ou comme ça, peut-être. Ah. Ouais, c'est pas mal. Mais ça ne menace pas de couper. En revanche, ça peut peut-être menacer la séparation. Mais ça n'a pas l'air de... Après, niveau points, ça m'en retire beaucoup quand même. Ça va me retirer 6 points dans l'affaire. Donc peut-être que c'est assez pour lui pour gagner la partie. Je sais pas trop. Mais moi, ouais, je pense qu'une fois que blanc est relié ici, la partie est finie. À partir de ce moment-là. Je crois pas que noir... Et plus de chance parce qu'en fait on est déjà arrivé au petit yossé maintenant. Vu que tout est stabilisé, que le grand yossé ben, a déjà été donné, il reste plus que des coups à 4 points maximum. Donc blanc est déjà en bon état pour gérer la partie, je pense. Mais ouais, c'était une partie assez tendue, je trouve. Mais c'est souvent ça avec les parties longues, c'est plus compliqué parce que les adversaires ont plus de temps de lire. Mais voilà. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo et partie niveau Dan vous a plu. En tout cas, clairement, il y a de la matière pour passer un peu de temps et s'amuser. Et auquel cas, si cela vous satisfait, moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, vu qu'on y sera probablement là si vous regardez la vidéo l'après-midi.
Bonne nuit à vous.